Coucou les filles, je viens vous montrer l'album que j'ai fait pour le kit de l'autre côté du miroir en tant qu'invité créatif. Donc je vous explique, ce sera un tuto. Je ne sais pas en combien de parties, je verrai ça. Je vais partir en vacances, donc je vous montre ça après les vacances. Vous aurez le tuto. Donc moi je suis très mixette média. Désolée, je suis avec une main en fait. Hein. Donc, un petit peu bougé. Je suis très mixée de médias. J'ai adoré ce bleu. Je le trouvais trop beau. Donc je me suis juste amusée à repatouiller pour créer cette clé. Enfin cette serrure, on va dire. Plutôt. Voilà. C'est le même tissu, mais je l'ai patouillé avec les poudres de Trésor. Vous allez voir. Je vous montrerai ça dans le tuto. Voilà. Ça c'est les petits mots en PLA. Enfin oui, tout est dans le kit en fait. Les petites dentelles sont dans le kit, la clé était dans le kit, les petits coins sont dans le kit. Enfin voilà. Enfin donc, c'est assez sort de la couverture. Les petits rubans étaient dans le kit aussi. Donc, je vous montre l'intérieur. Je vous mettrai tout ça en photo. Donc voilà, je vais venir plus près. Donc, j'ai utilisé des magnifiques papiers. Ils sont trop beaux. Trop beaux. Voilà. Donc, la même chose, ça c'est les petites bandes de papier que j'ai mis ensemble. Ça c'est les tampons, ils sont magnifiques, juste magnifiques. Tout ça est dans le kit, hein, les filles. Voilà. Moi je crée mes papiers moi-même pour les photos. J'aime pas quand c'est tout blanc, donc là en fait je peux me verrer que le petit bord, mais bon, voilà, c'est moi. Ça c'est un petit système. Petite clapette, j'ai voulu que reproduire l'univers d'Alice. La reine elle en fait toujours qu'à sa tête, donc elle n'est pas dans le rang comme les autres. Voilà, donc vous verrez sur le tuto. Moi je l'ai mis un petit peu trop près, il faudra le mettre un chouïa plus loin, mais je vous expliquerai alors. C'est quand on fait des bêtises. Voilà, tout simplement. Ça ici, la reine est bloquée par le PLA ou par la petite fleur qui est en très grosse épaisseur. Ici c'est la même chose, j'ai bloqué l'étiquette, vous voyez pourquoi c'est au début, hein. Et donc c'est la même chose, toujours des clapettes avec des petites cartes. Voilà. Je vous filme ça au chant des oiseaux, tellement plus agréable. En tout cas moi j'ai adoré, c'était une chouette découverte pour moi personnellement. Là, le lapin, j'avais envie qu'on me dise tirer les oreilles. Ça, c'est le nom de la collection, j'ai réutilisé. Et oui, ça fait des bruits aussi. Donc, tout ça. Voilà. Si j'ai une petite étiquette, j'ai trouvé trop mignon, plein d'humour. Là, j'ai créé. Il y en a deux dedans, je ne vais sortir pas les deux. Donc, ça, c'est un autre tampon. Je vais vous le mettre. Hop. Sur ma table, vous allez voir, regardez comme il est beau. Voilà, donc c'est un petit folio avec des petits papiers. J'ai juste passé un fil à couture. Donc, voilà, avec une petite pochette, mais tout ça c'est dans le tuto. La lune, comment dire, la lune, je l'adore, elle est diaboliquement belle. Donc, ici en fait, c'est votre lune qui vient tenir tout. Ici c'est la même chose, c'est la déco qui tient les petits tacs. Donc je vous montre les petits tacs, ils sont tout bêtes. J'ai utilisé ce qu'il y avait dedans, donc vous voyez, ça remplit à côté. J'ai joué ces étiquettes toujours. Là, il y en a plein dans le kit, à vos découpages, à vos ciseaux les filles. Seul côté le moins gai, mais bon. Après on s'amuse bien, n'est-ce pas? Petite étiquette de la collection. Voilà, je remets tout. Hein. Hop là. Désolé, je suis toujours qu'à une main. Donc ici, c'est aussi une petite pochette. Je l'ai utilisé à l'envers et j'ai pas refermé le petit bord au-dessus. Je vous montrerai ça aussi dans le tuto. J'ai fait une petite étiquette toute simple. Voilà. Hop, je vais y arriver.
Ici, j'en ai mis deux autres. Et tout est tenu de nouveau par un morceau. Je vous montrerai tout ça dans le tuto. Ici. Voilà. Alors. Ici. La page par là. Là. Je vous montre, j'ai fait trois grosses étiquettes en fait. J'ai récupéré ce qu'il y a derrière. Voilà. Je vous montre sans rien. Hop là. La même chose. On pourra mettre des photos dans l'autre sens comme ça. J'aime toujours bien faire ça. Et ça, c'est l'enveloppe. Donc j'ai juste créé un petit truc dedans. Voilà. Alors. Pouf. Ici j'ai créé un petit tag comme l'autre. Ici c'est juste deux petits qui sont mis en dessous. Voilà, une page plus sobre. Je trouvais la liste tellement belle, j'ai pas eu envie de la cacher, donc j'ai vraiment joué sur le gros dessin ici. Voilà l'autre folio. Ici, en fait, le folio il est tenu par les étiquettes ici en dessous et par les petits décors au-dessus, mais vraiment léger le décor au-dessus. C'est vraiment juste pour qu'il soit pas, qu'il puisse se balader partout. Et voilà le dernier tampon du kit. Trop beau. Voilà. Tout ça sera dans le tuto. Ici, c'est juste une petite clapette. J'ai réutilisé le housse qu'il y avait devant, les petites étiquettes derrière la couverture avec le nom de la collection. Là, c'est la même chose. Ici, je suis venue mettre un des coins de la collection avec toutes sortes de petites étiquettes, tout simple. Mais j'ai récupéré le mot. Derrière, j'ai rien mis. Je verrai quand j'aurai fini l'autre ce que je peux peut-être mettre derrière ou mettre un petit bout de papier. Enfin, ça, c'est vraiment les petits trucs qui se complètent. Voilà. Voilà, Space Tuto, j'espère que ça vous plaît et le tuto arrivera après mes congés dans une semaine et demie, deux semaines, le temps de tout monter. Bisous, à bientôt les filles.